Allô? J'ai mis de l'orange dans mes courgettes là. Coucou les chouchous, bibi, doudou. Bon, petite recette. Alors je vais inventer comme d'habitude un peu d'huile d'olive. Ça fait penser à aller où Dédé? Il est où Dédé? Voilà, je savais pas du tout. On va faire fondre le beurre et l'huile délicatement. Ensuite, je vais prendre celui-ci, comme ceci. Regardez, il n'y a pas besoin de couper. Voilà, hop, regardez. C'est un peu fort, on va baisser. Italien. Non, comme c'est du poisson que je vais faire, du curry breads. Voilà. Ça donne du bon goût. Et j'ai envie qu'il caramélise un petit peu. Tout ça, vous avez vu comment ça caramélise? C'est bien. Hein, ensuite, je prends mes courgettes que je coupe en rondelles. Alors je les coupe comme ça, hein. Je ne vais pas me prendre la tête. Hein. Rien de vaut le frais. Voilà. Je vais remettre un peu d'huile, légèrement, pour pas que ça... Voilà. Mais je ne vais pas remettre de l'huile d'olive parce que c'est trop fort. Je vais remettre un tout petit peu. On va mettre du sel à moins 50%. On va mettre de la ciboulette fraîche. Pour regarder mes vidéos cuisine, il nous faut la ciboulette. Logique. Vas-y, mettre. Allez, on y va. On aime la ciboulette. Et c'est beaucoup plus rapide. J'aime bien les blanches parce que les blanches, elles ont un petit côté sucré que les vertes n'ont pas. Alors, je vais badigeonner le poisson de moutarde et deux ciboulettes et de kerbraise. Je ne sais pas si vous faites comme moi, mais moi, j'enlève le germe parce que c'est plus digeste. Germe. Ça, c'est facile à enlever, hein, le germe. Hein. Vous l'enlevez. C'est ce qui va permettre de ne pas être trop... indigeste. Après, je vais laisser mijoter. Hein. Donc, il y a l'ail qui a caramélisé l'oignon. Maintenant, je vais mettre l'ail. Regardez. Je le mets là-dedans. Voilà. Voilà. Et voilà. En petits morceaux, hein, bien sûr. Hein. Du poulet de poivron. Voilà, comme ceci. Moi, je suis très coulée de poivron, je ne vous cache pas. Voilà, allez hop. Et je vais rajouter. C'est dommage que j'ai pas de la pulpe de tomate. J'ai du coulis de tomate, je vais mettre du coulis de tomate. C'est pas trop mon truc, mais il n'y a pas de choix. C'est bien. Voilà. Et dans le coulis de tomate, parce que moi je n'aime pas trop, je vais mettre de la moutarde. Voilà. Il n'y a que maille qui baille. Voilà. Et maintenant, ben je vais laisser mijoter mes courgettes. Voilà, comme il y a de l'ail, voilà. Et je vais laisser mijoter. Mijotons. Voilà. Allez. Je vais rajouter de la ciboulette. Quand on a de la ciboulette, on en met en... Voilà, c'est un plat vegan.
pas de beurre. Il y a pas... Ah, il y a du beurre. Ouais, mais je crois que le beurre, il est... c'est un beurre. C'est pas un beurre. Ouais, je sais plus. Mais sortez-les. Merci, Jésus. Regardez qui m'accompagne tout le temps. Toujours proche de moi. Regardez. Oh, c'est bon. Je viens de recevoir un éclat. Voilà, il faut 5 minutes, hein. Pas plus. Comme j'ai mes boîtes de congélation Action, ben je mettrai dedans. Voilà. Je fais de la pulpe. Alors, ça aurait été mieux avec de la tomate, de la pulpe de tomate, mais j'en ai pas. J'ai acheté que du coulis, je me suis trompée. Donc, je vais acheter plein de pulpe de tomate. Je me suis trompée. Voilà. Tout est frais. Tout est fait maison. C'est surtout que c'est pas cher. Et puis c'est surtout que voilà, ça fait, faut faire attention, quoi. Et puis c'est tellement plus sain. Voilà, vous voyez, ça va mijoter. Nina, je n'ai pas mis de ketchup. Vous savez ce que je rajouterais bien? Alors là, vous allez être choqués, mais je m'en fous, je fais ce que je veux. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Allez. Je suis sûre que ça va être super bon. De l'orange. Allô? J'ai mis de l'orange dans mes courgettes, là. Bon alors, eh bien, je vous ai dit que j'allais mettre le petit poisson. Le petit poisson. Voilà. Je vais le mettre là. Ça, c'est vegan. Et là, c'est avec du poisson. Alors, bien sûr, on va remettre de l'épice. Voilà. Et on va laisser mijoter. Et moi, je vais manger vegan ce midi. Voilà mon petit plat. Je vous assure que ça doit être une tuerie. Et voilà, avec du coulis de poivron. Je pourrais remettre... allez, je vais remettre de la ciboulette. J'en ai plein de fraîches, mais voilà, j'ai pas envie d'aller derrière chercher la ciboulette. Et voilà. Et mon petit plat va être prêt avec un petit couvercle. Et mes courgettes, je vous souhaite bon appétit. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre du jus d'orange, mais moi, c'est ma marque de fabrique, c'est le jus d'orange. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez.